T'es amoureux. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Arrête, on dira Jamal. Vas-y, fais comme si j'avais Alzheimer, voilà. Je me rappelle de rien, je ne retiens rien. Regarde, je prends ma mémoire et je la jette aux oubliettes. Vas-y. C'est Lucia. C'est Lucia. Lucia? Lucia. Lucia de la Mermoz. Eh, vas-y, accouche. Je crois que je l'aime. Je crois. Attends, un jour tu l'aimes, un jour tu l'aimes pas. Donc, tu y crois ou tu n'y crois pas? Je dis pas que je l'aime, je dis que je le crois. Ça te fait quoi à toi comme effet? Ça me fait chier des tonnes, des tonnes et des tonnes. Tu ne l'aimes pas dans ce cas. Si, mais j'aime pas voir tout le monde dessus. Tu veux dire que elle a beaucoup de succès? Oh oui, toute l'école ne jure que par elle. Parce qu'elle est belle. Trop belle. Je sais pas, mais elle a quelque chose. Elle te plaît. Et c'est ça le plus important. Ah, elle plaît, c'est tout ce qu'elle sait faire. Et pourquoi tu boudes ton plaisir? Parce que je crois pas qu'il soit partagé. Mais tu lui as déjà fait part de tes sentiments? Oui, mais elle fait comme si elle n'avait rien entendu. Elle fait la sourde oreille, c'est ça? Je sais pas ce qu'elle fait. Elle est peut-être bête. Tu plaisantes? Elle tient tête à tout le monde. Elle est belle et intelligente. Eh bien, tant mieux. Elle est futée et elle sait ce qu'elle fait. Qu'est-ce que tu en sais? On lui mange tous dans la main. Oh! Et elle vous donne quoi à manger? Si ce n'est pas trop indiscret? Justement, rien. C'est pour ça qu'elle le tient. Ah! Et donc toi, tu fais partie des nombreux prétendants et tu voudrais être l'heureuse élue. Elle en a déjà un et elle le tient en laisse comme un chien. Bon, elle a quelqu'un? Oui, qu'il aime et qu'elle aime. D'accord. Mais alors, attends, ça change tout, ça. Dans ce cas, il faut la laisser vivre sa vie. Oui, chacun se dit pourquoi pas moi? Attends, c'est pas une putain. Qu'est-ce que t'en sais? Non, je rigole. Laisse tomber, et elle finira peut-être par se retourner sur toi. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais tu sais, la beauté, la vraie, on peut pas se l'arracher. On a aucun intérêt à se la disputer. Il faut la laisser être et se contenter de la contempler. T'as une idée? Oui, écris-lui un petit mot. Quoi faire pour lui dire ce qu'elle sait déjà? Non, un truc plus onirique, un truc plus romantique. Quel style? Ah, du style, je sais pas moi. Il existe quelque part dans ma tête un pays où tu es reine, où je suis roi, où le soleil ne se lève que pour éclairer ton doux visage. Si tu connais ce pays, si quand tu fermes les yeux, tu vois la même chose que moi, alors Lucia, souris-moi et je saurai que cette reine, c'est peut-être toi. C'est une belle histoire, mais elle ne l'avalera pas. À toi, t'as une autre idée en tête. Oui, je vais la voir et lui dire que je cherche pas à être son petit ami, qu'elle en a déjà un, mais son associé, son camarade de classe. Elle acceptera d'office, elle n'a rien à y perdre. Et si elle accepte, je finirai par la faire craquer. Ah mais ça, rien ne dit que tu y arriveras. J'y arriverai.
parce que je ne suis pas pressée d'y arriver. Ouh, bien, rien n'est moins sûr. Je sais où je vais. Et je connais les filles un peu plus que son petit ami. Oui, oui, ça j'ai bien compris. Mais c'est ce qu'on appelle un hold-up. Mais elle ne lui appartient pas plus à lui qu'à moi. Oui, je trouve pas ça bête, mais un petit peu malhonnête. Sans manquer de respect, ton histoire romantique de tout à l'heure n'est pas très honnête non plus. Mmh. Un malin, malin et demi. Ok, ok, ok. Je retire ce que j'ai dit. T'as vraiment enregistré ? Tu as peur que Lucia découvre le poteau rose. Ah non, elle ne parle même pas français. Tu me rappelles Icare, celui qui s'est brûlé les ailes en s'approchant trop près du soleil. Je n'ai pas d'ailes, donc tout le risque est pour elle.